Qui est donc on peut tuer quelqu'un qui n'est pas de notre famille. Comment ça? Pourquoi? Est-ce que c'est possible qu'une personne qui n'est pas de ta famille, toi tu arrives à tuer? Tu as ce pouvoir là, tu as ce pouvoir. Comment vous arrangez la chose? Pas toi. L'esprit là même. Écoutez très bien. Elle dit l'esprit de quoi? Il rentre en moi. C'est ça, je me transforme et puis il m'en fait. Tu vas où? Il m'en fait dans sa maison la nuit. Puis il m'en attaque. Maintenant qu'il a attaqué. Quand tu dis tu vas dans sa maison, c'est pas comment? Il me transforme. La vie, tu attends, non? Tu t'assois. Il dit il me transforme. Il transforme. Donc quand l'esprit vient, tu te transformes. Oui. Et puis tu fais quoi? Je rentre dans sa maison. Où est-ce là? Comment vous arrivez à rentrer dans une maison? Je me transforme en souris. Voilà. Elle se transforme en souris. C'est ça, il donc les gens, cette semaine-là, ils savent qu'ils vont tuer les souris qui fait. Ils vont faire un bout d'un gâteau. Tous les souris, ils font chaud cette semaine. Ah, mais j'ai un bout d'un gâteau. Ils vont vous montrer. D'ailleurs, quand même. On va vous tuer partout. Voyez, ça, c'est bon. C'est comment moi? Maintenant, quand il rentre dans sa chambre, il commence à l'attaquer. Oui, c'est-à-dire que tu te transformes en souris, tu rentres dans la chambre, tu deviens quoi? Même souris là? Non, il me transforme en l'homme qui va. Ah, donc tu es invisible. Mais comment tu arrives à prendre que le monsieur il s'en passe? Il s'appelle votre présence. C'est dans le spirituel qu'on prend en attaque. Dans le spirituel, c'est-à-dire la présence. Mais comment il va? C'est son âme en attaque. Vous attaquez son âme. Elle ne peut pas l'endormir. Non. Est-ce qu'il dort? Quel dort? Vous en avez pas compte que tu es là. Quel dort? On prend ton arbre, la fiance. Mais justement, avant de prendre l'arbre, avec qui tu sais faire? Elle dort, elle sans rien. Elle sans rien. Tu fais des choses pour ne pas qu'elle puisse pas se réveiller. Donc, vous dormez, vous qui dormez, vous ne priez pas. Et les gens qui viennent rester devant la télévision, matin du bonheur, on va dire pour le soir du bonheur, pour le soir de minuit, jusqu'à la fin du matin du bonheur. Donc, là, on fait quand même si il veut prier, Seigneur Jésus, Il est attaqué, le lendemain tombe malade. On vient pour voir quand, 10 heures, maintenant, il prend son âme, il m'a donné ça à lui qui m'a envoyé là. Non, patron. C'est ça, il tue, puis on mange. Il tue, puis il mange. On dit, oui. Elle dit, c'est moi qui ai dit ça. Ah, il n'y a pas de les gens font un peu. Et puis, il y a deux qui disent quoi, pas ça. Sans se dire, ça existe. Madame. Non, la personne dit qu'elle tue. Mystique, là, c'est français. Une mot mystique. Donc, c'est des choses qui existent, c'est une réalité. Et la personne dit mystiquement, elle tue les gens. Donc, il faut désarmer cette personne. Et après, c'est vraiment déjà pour les faire. Vous voyez, elle dit à quelqu'un, j'aime le faire. Quand ça vient, elle s'est retrouvée dans la maison de quelqu'un. On prie quoi, les gens? J'ai cette donc, il y a un corps. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Ce travail que nous faisons ici, c'est un travail bénin. Il faut débarrasser cette personne. Il y en a un peu, ça. J'explique. Là où vous dormez, on explique qu'elle arrive à tuer. Non, c'est pour les hommes. Tu peux c'est ce qui est dit aux gens. Mais il y a quoi? Et vous, à nous, c'est vous qui êtes. Vous êtes l'avocat du diable. Le monsieur dit tu. Quand vous le venez, c'est lui qui dit. C'est lui qui a été à mon cher.
le Dieu, le criminel, nous les désavons. Nous désavons les criminels. Elle dit que tu es africain. Mais ça tout. Même si une personne, mais comment on a vu? Parce que l'homme a quoi là? Bon, j'en ai trouvé. On se connaît ça, non? Tu te retrouves ici. Comment tu es retrouvé ici? J'étais sorcier depuis quand? Depuis tout petit. Tout petit, quand même. Alors, là, tu as quel âge? Il y a les gars, tu es 4. Imaginez-vous 30 ans. Hein? Et les gars, il y a moyen, je viens de voir qu'il y a 1732. Oui, après, c'est un mois. Ça se dit pas les cheveux et les photos, c'est pour manger. Non, attends, comment on peut dire pas? Donc, quand il dit non, je ne sais pas, pas les cheveux et les photos. Pas les cheveux. Après, comme les camaraderies, il y a un an, non? Aïe, je vais aller jouer derrière les cheveux. Attends, les cheveux, hein? Non, pas jouer derrière les cheveux, c'est des mains. Mais c'est dans ce monde-là, hein? Voyez, c'est ton tour, je dis pas. C'est pas parler causer. Il a qu'à qui, il a qu'à qui. Là-bas, c'est pas causerie. Qui a dit des mots? Vous dites non, va s'asseoir, va s'asseoir. Comment les rappels, ça va s'y faire? Non, c'est le Seigneur. Leur raconte-la. C'est ton tour aujourd'hui, hein? Quand tu prépares, on va te faire un roman avec lui. Et comment on va te faire un roman? Fais que les mariés ne se séparent. Quand ils se rencontrent, là, c'est pour manger. Il ne va pas parler de causer. Il n'y a pas 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 de causer. Et tu as fait quoi après? Ma société, là. Tu n'as pas gâté. Elle est belle dans ça là. On est belle. C'est la vérité, elle est belle. Non, elle est belle. 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 Maman, yo. Ça va? Très bon. Elle est belle. Elle va demander qui a mis chute dans papa. On est belle. Elle est belle. Papa est solo là, elle va te montrer ça. Ouais, problème, problème. On a dit, toi, 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 tu vas pas. Mon yé. T'as une sorcière dans ta chambre, tu rentres. Bah, ah, on a un problème, mon frère. Elle dimanche. On est bon. Elle regarde les tripes. On va te lever là. Tu la fais tout le monde. Tu te lèves, tu dis non, tu as échoué déjà. Ah, bon, là, pour y aller, j'ai tripes. Bon, il n'y a pas de problème, tu aimes chercher les tripes. Il va pas aller les tripes. Maman, tu viens, c'est triple là-bas manger. Et pas d'un, mais là, pour moi, on dit, j'ai pris un bon. Mais là, mais où? Tu as gâté quoi? Travail de mon père. Comment tu as gâté le travail de mon père? Quand il donne la nuit comme ça, la chambre devient lourde. Hein? La chambre devient lourde. Sa chambre devient lourde. Tu penses à la rivière. Mais comment il a gâté les enfants? Je dis, hein? Maintenant la chambre, tout devient le esprit, la sorte. Quand il rentre en moi, maintenant je deviens garçon et puis lui on le transforme en femme. Donc on va s'approcher de lui. Non, on n'attrape pas. C'est pas la pas. Même à l'euro, ton grand-père. Donc lui, il devient femme. Toi, tu devient quoi? Garçon. Toi, t'es garçon. Hein? Mm. Ça marche comment? C'est comme si je ne suis plus moi-même. Maintenant, je suis un garçon comme ça. Je suis plus un garçon comme ça. C'est une explication. Tu fais comment pour les gens? C'est pas l'esprit là en moi. Oui, mais l'esprit là, il n'a pas dit. Comment il fait convaincu? Le mari de nuit. Comment Kiki la sort? Parle. Tu dis quoi? Kiki dit, eux, vous chers, mon père. La sort de. Toi-même, si on prend ça pour toi, tu vas accepter. Mais tu as continué. Elle dit non, tu vas accepter. Donc c'est pour détruire. Parce que l'on s'occupe. Mais elle peut regarder ça.
Laquelle fin? Je suis venu comme ça. Quand on enchaîne, on va se dire. Capitaine, il va avoir un projet, ça se gâte. Regardez, il y a plus de gens, de temps, les gens restent en rêve. Quoi? Il y avait. C'est la société, c'est pas. Après, avec vous. Et le donc la personne vient toucher avec toi, elle est introduite à toi, comme on met le mal. Touche.
Amen. Fais quoi encore? Si tu gardes le travail, tu ne comprends pas? Là, il faut forcément gâter le travail pour le bas. Peut-être qu'il y a une reine là-bas. Alors, il faut forcément le tuer. La mission, c'est de tuer ton papa. Quand il va battre ton papa, tu as gâté ses fraises. Je ne suis pas gâté. Venez, monsieur, c'est qui? C'est vous? Elle vit chez vous. Venez. C'est votre frère. Non, après, il y a des gens qui ont fait des choses, ils s'attrapent quelque part. Vous voyez, il y a des petites
Vous avez dit tout le monde. Amen. À partir de 4h, depuis 15 ils sont venus. Le lendemain, quand nous on dormi, eux ils dorment. Ils sont en train de les encore. Des fois, ils prennent tout le temps. Et puis, ils m'ont fait le soutien. Et quand ils me disent, je pense qu'ils vont mourir, mais ils ne pas. Ça, c'est pas d'accord, va prier beaucoup. Donc, tu comptes dans ma main de la sorcellerie. C'est une bonne chose ou pas une bonne chose? C'est une bonne chose. Comment? Pourquoi c'est pas une bonne chose? Et pourquoi aujourd'hui tu reconnais que c'est pas une bonne chose? Parce que moi-même, je suis en ligne. Comment? Quand j'ai vu, quand j'ai été comme ça, quand je te dis, l'esprit arrête en moi, le sang me dit, il y a des chapitres. Si tu ne fais pas, va te tuer. Va te tuer, ok. C'est ça, ça me dit, j'ai dit, ok. Moi, tu dois laisser. Vous l'avez dit, hein? Vous le savez, il va les dire, d'accord? Madame, viens. Là, on fait sortir les selles. Oui, je me rappelle, je suis une sorcière. Ton nom? Je m'appelle Adèle. Hein? Adèle. C'est tout. Ça, c'est le prénom. Ta mère, c'est Adèle. Tu viens d'où? Je viens de Sakota. Où est-ce que ça? Sakota. Il n'y a qu'à parler ça, non? Faut traduire. Ça, c'est là, c'est où? C'est la route à Bichin. Et vous, il y a une pierre, comment ça, Sakota? Tu es venu ici par rapport à quoi? Je suis venu pour que Dieu puisse te guérir. D'accord, quand tu as l'air, tu as quoi? Tu te là. Je suis malade. Mais la sorcellerie que j'ai pratiquée, ça existe moi maintenant. Donc je suis venu. C'est cela, j'ai attendu vous. Je vous ai dit dans la télévision. Donc mon désertez vous. Donc c'est cela, je suis venu. D'ailleurs, mon télévision, vous y êtes. La sorcellerie, c'est une bonne chose. Pourquoi tu viens ici? Donc c'était en voie. Attends, quand tu as laissé ça, c'est venu. Oui, non, il n'y a pas d'enfant. Les choses que tu veux. Si tu as laissé, c'est qu'il n'y a pas mal de serpents. J'ai dit, je veux laisser. Ah. On a encore vu comme un petit. Allez, la sorcellerie, tu te bénis. Oui. Faut bien parler. Il est vous comme un. Vas-y, tu ne peux pas laisser sorcellerie, comme on n'a pas délivré. Il est petit, oh. Oui. Qu'est-ce que tu as fait la sorcellerie? J'ai tué. Tu as tué combien? Un drame, un tas, oh. Ben, la sorcellerie. Réponds ma question. J'ai tué 40 personnes. 40 personnes. 40 personnes. Comme le nom de 10 personnes que tu as tué. Il y a Baka, la paix. Hein? Il y a Baka. Combien de personnes? Oui, c'était Baka. Deuxième personne, c'était André. Troisième personne, c'était Jésus-Christ. Non. Quatrième personne, c'était Prophète. Maintenant, cinquième personne, c'était Joël. Maintenant, sixième personne, c'était Chantal. Maintenant, septième personne, c'était Albertine. Maintenant, huitième personne, c'était ma croix. Neuvième personne, c'était Prosté. Maintenant, dixième personne, c'était Eric. Comment tu arrives à les tuer? Est-ce qu'il y a un autre gars là? Je le transforme en époux. Et j'atterris dans l'air des gens. Mais il ne sera pas.
Une fois qu'il est atterri dans l'un des gens, je le transforme en une personne. Et puis, je pourrais boire pour se sommer. Et quand je suis venu, c'est de sommer, je m'en vais. Le lendemain, maintenant, j'attaque lui. La personne dit, je ressens un mal. Au fond, ça fait que c'est déjà mort. Je ne peux plus te lever. C'est mon sage. Mais qu'est-ce que tu enseignes? Non, je ne suis pas l'enseigne. Il y a de la mort dedans. Comment tu as touché pour avoir cette femme? Il y a ça, vous avez vu, elle est là. Elle va chasser le serpent. Il y a pas mal de la manière, elle est bon pour opérer les gens. Comment? Moi-même, je suis opéré par le baba de mon entreprise. Ça fait comment? Je me suis opéré par le baba de mon entreprise. Pourquoi il y a ce beau bain-là? Je me suis opéré par le baba de mon entreprise. Et que moi-même, j'ai pris le serpent pour mettre dedans. Et j'ai perdu. Tu as vu le serpent dedans? Oui. À ce matin, on a des voix. Beaucoup ont des voix. C'est quoi ta vue? Traquez-moi, il y a des gars. Les pains, on ne m'en met pas dormi. C'est quoi ta vue? Les pains, on ne m'en met pas dormi. C'est ce que moi, je suis arrivé, c'est le pain qui était là, donc, ma femme m'a dit. C'est ça, maintenant, qui reste. Il y a un an, il y a un peu de vue, il y a un peu de crénètre, il y a un peu de vue, il y a un peu de vue. Tu n'as plus le serpent? Et qu'à quoi, là, et tout, moi, et là, bio. Tu prends ça, il vient, il boit, on vient.
Mais les Wallis divins, non. Les gens ne gagnent pas. Et les Wallis en grave. Et les gens ne gagnent pas, moi-même, je suis aussi. Il a raison. Elle est grave. Elle va arrêter. Elle est un nouveau. Non, la chose. Non, les gens ne gagnent pas, les Suisses. Oui. Donc il a touché ton sang. Oui. Dans tout le monde, on nous l'aime. Dedans. On combien va là? Oui. On combien où? Combien il est? Je sais qu'il est là. Il arrive comme ça. Il peut attendre comme ça. Il peut attendre comme ça. Il peut attendre comme ça. À quoi il est pas sorti? On parle à Moubo. Oui. Si vous pouvez le dire, c'est ça. Si... Il est à la tête pour que vous puissiez le faire. On aura fait à la main, mais tu n'as pas mis en pied. Aide-moi pour le faire sortir. On aura fait à la main. Et si, tu pourrais le détruire dedans, vous pouvez le faire sortir. Comment on peut le détruire dedans? Ça dépend de nous. Ça dépend de moi. Oui. Je le fais sortir. D'accord. Les hommes se posent à sa délivrance. Non! Ils ne veulent pas qu'elle soit délivrée. Soit les hommes, vous n'avez pas dit que vous voulez aller sur ce palais. Allez, voilà, vous avez un enfant. On a qu'à l'aider. Le téléphone m'a sorti. Le téléphone m'a sorti. Écoutez très bien, ça fait quoi? J'ai détruit la vie de trois personnes. Tu as quoi, Kamilo? La vie de trois personnes. Oui. J'ai détruit la vie de ma. C'est deux grands têtes. La vie de tes grands têtes. Tout ça bon. Il y a une qui fait le promesse. Elle fait l'argent. Elle ne s'en sort pas, j'ai pris l'argent pour aller. On est là, on est tout cas dans le haut. Toi, tu prends ton argent, tu allais discuter là-bas. Ça fait quoi encore? Oui, c'est tout à fait. Il va à l'école. Il est sorti de l'école. Quand j'ai plus cette année, on va aller. La sorcellerie là-bas. Si vous ne pouvez pas aller voir le diplôme, vous ne pouvez pas aller voir le travail. Ça fait quoi encore? C'est la vie de ma grand-mère. Non, là, Calio. Tu vas me mettre. Ok, je fais quoi encore? Je suis en contact avec Denise. Je prends le programme. Il y a un élément, quelque chose que tu fais. Si tu dis, je vais t'aider. Il n'y a pas de blague, il ne sera pas. C'est moi, il dit. Ça, c'est pas ce que tu fais. C'est un ennuyé. Hein, il a rien. Il te coach. Bon, il est venu. Maintenant, les parents de mon mari, moi, mes parents, ils se sont associés contre moi. Il dit, le monsieur, tu fais. Ok, il va s'associer contre toi. Toi-même, tu fais. Il n'a pas dit. C'est le même. Il n'a pas dit. Le nez de ça. Il a oublié le nez de ça. Il n'a pas dit. Il a oublié le nez de ça. Il n'a pas dit. Il ok. Voilà, vas-y.
Tu as fait quoi? Non, c'est quelque chose que tu ne peux pas oublier. Quand tu rentres dans les familles, tu regardes les gens, tu rentres dans les familles, le serpent qui est encore, il pond les œufs. Et quand il pond les œufs, ça appauvrit toutes les familles. Voilà. Hein? Pourquoi ça fait ça? Très quoi, maman, on ne se l'oublie, on se dit, très qui. Mais balé, il y a les aides à Dieu. Oui, c'est vrai. On ne se l'oublie, il y a les aides à Dieu. Ça va dire la famille pauvre. Ça va dire la famille pauvre. Non, mais tu as des gens pauvres. Oui, j'ai raté les gens pauvres. Voilà, tu n'as pas dit ça. Oui, j'ai raté les gens pauvres. Il balé quoi, pauvre, c'est le cas, il y a les aides. Mais c'est quoi, mais ils font. Il t'aime trop, tu l'as comme ça. Je vais donner à Dieu, mais. Ah. Je vais me donner à Dieu, mais. Ça va partir. Tu vas aller où? Ça va aller dans la mer. Quelle mer? On ne va pas faire qu'à des 10 000 euros. Il n'y a qu'à des 1 000. La pauvre bien laisse ta chose. Toi, tu vas prendre. Maintenant, tu l'as bien nourri, il te connaît. Mais il nourrit bien. Hein? La puissance. La puissance. La puissance. La vie, tu as cherché, tu as trouvé. Et là, Japon. Quoi, c'est drapeau, tu as vu. Tu connais, c'est quoi, pas comme si tu as vu. Hein? Lui, c'est sa maman. Moi, j'ai bien un autre. Hein? C'est le cas. Mathieu, il y a encore une babi. Qui a dit ça déjà? Alors, tu peux faire moi. Tu étais là-bas, tu n'as pas appelé. On est là. Tu as passé le coin. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu as mis des dents. Tu l'as bien élevé. Il a mis en quoi? Et là, la grossie, il est content. Il n'a qu'à la voir dans la mer. La mer. Il y a beaucoup dans la mer. Il y a beaucoup dans la mer.
Quand je priais, qu'est-ce que tu chantais dans ton ventre? Je voyais un peu bon. Il tournait. Au fait, elle a tué sa grand-mère. C'est pas l'héritage de la vie. Elle a tué sa grand-mère. Pour prendre ce dragon. Tu reconnais? Il est croyant. Et le serpent l'a arrêté. Où il y a ce combat là, ça dit, si le serpent sort et meurt, il faut forcément quelqu'un pour le déloger. Parce que le serpent, on irrite sa tombe, franchement, on va bien trop. Comment t'as tué ta grand-mère? Comment tu l'as tué? Ma grand-mère, je me suis dit sur la première. Et puis. Je suis allée Et pourquoi tu n'as pas dit que tu as tué ta grand-mère et puis tu dis que tu as pris seulement que le drapeau? On est la mort de l'homme. Voilà, c'est vraiment bien bon. On te dit, il bien. Mais justement, pourquoi tu n'as pas dit? Pourquoi? Tu as posé un acte, tu as tué le dragon, c'est ça? Et d'abord, tu as tué ta grand-mère, oui. Parce que tu as pris son pouvoir. Pourquoi tu n'as pas expliqué ça? Oui, je n'ai pas. Pourquoi? Je te demande pourquoi. Ce sont des aveux, pourquoi tu n'expliques pas que tu as tué quelqu'un? Pour prendre, parce que c'est esprit là. Il faut forcément donner une parce que là encore. C'est là la même. Mais pourquoi? Parce que c'est bien que l'esprit là. Pour sortir même pour qu'on l'évite là. Il faut forcément donner une esprit. C'est pas ça? Oui, je n'ai pas. Mais pourquoi? C'est là la même. Depuis qu'elle est venue, est-ce qu'elle a jeûné? Combien de Mais ça va partir moi qui tu sais que quoi? Non mais c'est dangereux. Et il est lié à ta vie. Ok? Il est lié à ta vie. Alors, s'il est parti, toi tu meurs. Et c'est ce que tu dois dire pour briser le pacte. C'est un pacte.
Donc c'est un type qui ne vient pas dans ta vie comme ça. Tu as tué ta grand-mère pour hériter de ce pouvoir. C'est un pouvoir. Maintenant, pour briser le pacte, il va dire toi-même, tu renonces à ça. Voyez ce qu'il a fait, et c'est à cacher ça. C'est très dangereux. Pourquoi? Dans mon pays. Envoyez sonner. Envoyez-le. Ça va, Christian. T'as compris? Voilà, ça va. Ça va, c'est un héros. Jésus va opérer le miracle. Il y a une femme qui avait boîte, c'est parti. Voici le pacte. Non, vas-y, même en français, vas-y. Voici le pacte que j'ai signé. Avant de prendre ta serviteur, ma soeur. Avant de prendre le dragon, mais je n'ai pas, c'était un pacte. Quand je me confesse, je demande pardon à Dieu. Je demande pardon à Dieu qui me pardonne de tout ce que j'ai fait. Il n'a qu'à me délivrer. Comme cela, je suis arrivé. Je suis déplacé de niveau et pour jusqu'à délivrer. Ça va de ma guérison, ma délivrance, je suis arrivé. Qu'il nous fait de miracle. Que c'est fini, que tu te sépares. Que je me sépare avec le pacte que j'ai signé. Je brise dans le nom de Jésus. Que tu renonces. Que je ne serai plus, je ne recommencerai plus à chacun. Que je me donne à toi. Tu vas utiliser ça? Bien. Tu vas utiliser comme un sirop. Regarde ici. Tu vas utiliser comme sirop. Okay. Tu vas utiliser ça partout de ce soir. Tous les soirs avant de dormir. On a jusqu'à dimanche. Hein? Fais des torches de salut à dimanche. Ok? Dimanche, tu as un culte. Chaque fois. Alléluia. Amen. Donc acclamez Jésus. Oui, la bénédiction. Elle sera guérie au nom de Jésus. Dis amen. Elle sera délivrée. Vous savez, toi-même t'envoyer dans ta vie, tu renonces pas. Sinon, il ne bouge pas. Le cas de cette soeur. Un démon qu'il a envoyé dans sa vie. Il a même des démons complets, il y a des maladies, on peut guérir de ça, comme ça. Mais si concerne un démon,